Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les recettes de Jed, c'est Jed. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est une recette simple, c'est la recette de la pâte à crêpes. Pourquoi cette recette? C'est que mardi prochain, c'est la Chandeleur et je me suis dit que ça pourrait vous aider à les réaliser. J'ai pris tout simplement la recette du CAP de cuisine. Alors, à tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Les ingrédients pour réaliser la pâte à crêpes sont les suivants. 250 g de farine, 50 g de sucre en poudre, 10 cl d'huile, 4 œufs, de l'arôme liquide de vanille et 50 cl de lait. Certains rajouteront un peu de rhum, moi je n'en mets pas, et j'utilise de l'huile de tournesol, certains utiliseront du beurre fondu. Donc en premier, je vais peser les 250 g de farine. Je vais peser les 50 g de sucre. Concernant le sucre, il y en a qui en mettent plus ou moins, tout dépend comment vous aimez la pâte à crêpes. Je vais mesurer les 50 cl de lait. Avant d'incorporer les œufs à la farine et au sucre, je vais mélanger la farine et le sucre. Ça évitera que les œufs soient en contact direct avec le sucre. Donc là, je vais incorporer mes 4 œufs et je vais mélanger au mixeur. Nous obtenons cette consistance. Et là, maintenant, je vais mettre au fur et à mesure mon lait. J'incorpore mes 10 cl d'huile. Et je vais incorporer maintenant mes 2 cuillères à soupe de vanille liquide. Voilà, nous sommes arrivés au bout de la recette et nous allons laisser reposer une bonne heure la pâte à crêpes. On peut laisser même reposer un peu plus longtemps. Voilà. Après, nous rectifierons la fluidité de la pâte à crêpes, l'épaisseur, suivant la texture des crêpes que nous souhaitons, avec un peu plus de lait si nécessité. Nous verrons ça au départ des crêpes. Donc, voilà, pour moi la pâte elle est un petit peu trop épaisse, donc je vais rajouter un petit peu de lait. Donc j'ai rajouté un peu de lait, je mélange. Voilà, pour moi je pense que la pâte est bonne, je verrai quand je vais faire les premières crêpes. Je vais mettre juste pour la première crêpe un petit peu d'huile dans la poêle et je vais faire chauffer. Donc là j'étale avec mon sopalin pour éviter d'avoir un excédent d'huile dans ma poêle. Voilà. La première et la deuxième. Ça suffira pour toutes les crêpes, étant donné que j'ai mis de l'huile dans ma pâte. Les poêles sont chaudes. Je mets l'appareil à crêpes dans ma poêle. Voilà. Et je vais chauffer. J'ai averti mes poêles. Et je fais la même chose avec la deuxième poêle. Donc là, j'utilise la spatule pour décoller les bords de la crêpe. Voilà. Je fais la même chose avec la deuxième poêle. Et pendant ce temps-là, l'autre crêpe termine sa cuisson. Je prépare mon assiette. Voilà, la crêpe est prête. Et je la mets dans l'assiette. Ce qui me permet de recommencer. Mon autre crêpe. Voilà, je tourne bien, pas trop d'excédent. Hop. Et voilà. Et on recommence l'opération. Voilà les amis, la recette de la pâte à crêpes est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans sa réalisation. Et donc à très vite sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle recette. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu en disant j'aime. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en demandant les notifications en cliquant sur la petite cloche. Voilà, bon bah à très vite, merci et c'était Jed.